Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode sur Dawn of Man. Donc, je fais les petites annonces comme ça pour le moment, même si ce n'est pas le jeu qui est le plus regardé, mais au moins vous serez au courant. Compte tenu de la situation actuelle concernant l'épidémie, Donc, je suis actuellement confiné chez moi pendant minimum 15 jours, voire plus. Je pense que ce sera plus. Je vois pas l'épidémie partir en l'espace de 15 jours. Donc, pour ce faire, j'essaierai de tourner le plus de vidéos possible. Si j'arrive à en sortir une tous les 2 jours, ce sera vraiment parfait. Si je peux en sortir plus, tant mieux, mais voilà, au moins une tous les 2 jours, ça pourrait être pas mal. J'essaierai de faire des petits jeux que vous ne connaissez pas forcément. J'ai demandé sur Discord, et d'ailleurs, par la même occasion, n'hésitez pas à aller sur le channel Discord qui est en description, dans lequel voilà, j'ai fait plusieurs petites rubriques où vous pouvez me donner des idées de jeux comme l'ont fait déjà pas mal d'entre vous. Donc voilà, j'ai eu plusieurs noms de jeux, je verrai, il y en a pas mal qui me plaisent, d'autres qui sont envisageables, je pense. Mais voilà, j'ai déjà plusieurs petites idées, et je switcherai un petit peu entre City Skylines, ces jeux, les séries que je vais avoir entre temps, parce qu'il y en a une qui est très attendue, qui est Transport Fever, et ça ne serait vraiment tardé, c'est vraiment de plus en plus proche. Mais voilà. Donc écoutez, mesdames et messieurs, on est parti, on va passer en vitesse 4. Donc, objectif, encore une fois, terminer notre mégalithe, notre cercle mégalithique, ainsi que nos murailles. Alors, sachant. Mais eux, ils sont trop cons. Hein. Lui, il a un passage là, pourquoi il. Voilà. On va péter quelques petits arbres. Ah, ok. Comme ça, ça fera le taf. Ah oui. Alors, on m'a dit en commentaire dans la dernière vidéo que les portes étaient à l'envers. Je suis d'accord, c'est complètement débile. J'ai pas vraiment songé au sens. Mais d'un côté, je me dis que dans gérer défense, si je fais. Alors, je vais faire pause. Si je fais fermer les portes, ça me ferme quand même les portes. Donc, c'est pas plus gênant que ça au final. Dans tous les cas, les portes seront fermées. Donc voilà. On va regarder. Donc, il nous manque 2 mégalithes. On va regarder où ils en sont sur la route. Là, j'étais censé en avoir un. Il est juste ici. Et alors, le dernier. Ok. Le dernier, il devrait être dans les parages. À moins qu'il ait déjà été amené. On va regarder au niveau des tâches. Je vais mettre pause. Il va même pas être dedans. Non, ça va pas être dedans. Bon, écoutez, on va les laisser faire, mais dans tous les cas, on sait que c'est prévu. C'est prévu. On va essayer de choper de plus en plus de chefs de moutons, de je sais pas quoi. Le marchand est arrivé, oui. Qu'as-tu à nous proposer, Jean-Claude? 2 moutons mal adultes. Je pense avoir pas mal de trucs. C'est envisageable. Niveau cuir, je vais regarder où on en est. Non, on est à 7. Oh, ça me semble correct. Hein. On va prendre les 2 moutons. Ça. Ça. Ça.
ça avec ça. D'accord, ça me semble correct. Et hop, plat de mouton. C'est parti. Assez de place pour animaux. Ouais, c'est... Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont pas directement affectés là-dedans. Je trouve ça trop chelou. C'est pas grave, ça nous fait deux moutons en plus. Ils vont se rediriger là-bas. Non mais attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Nourrir les... Va-t'en! Ok. Je comprends pas pourquoi les moutons sont pas à l'intérieur. Je peux même pas les déplacer. Pas assez de place dans l'écurie pour nos animaux. Tu vas me faire croire qu'on a 50 000. On n'a pas 30 000 animaux non plus. Vous êtes sérieux ou quoi là? Gérer. Ressources. Ça va pas être là-dedans. Animaux domestiques. Ah si, quand même. D'accord. Donc ils sont pas dedans, mais ils sont dedans quand même. Très étrange. Bon. Limite, faudrait une nouvelle écurie, ça pourrait être sympa. Ah, ça partirait sur ça. Hein. Résidence, écurie pour les animaux. CC. Un 8 bouts. Ok, très bien. On va laisser ça comme tel, hein. Ils apporteront la boue dès que possible. Au niveau des habitations, 60... Ouf, on peut accueillir encore 9 personnes, c'est plutôt correct. Hein. C'est une bonne chose. Au niveau des constructions sur le tech, ça se fait lentement mais sûrement. Et là, il y a de la vache. Là... Mais non, c'est des... Ah, j'ai cru que c'était des hippopotames, je me suis dit, mais d'où ils sortent? Bon, allez, on continue d'accélérer le temps. Pour avoir pour avancer un maximum parce que ça m'énerve de rester un peu stable dans ce qu'on fait. Mais la question que je me pose, ça veut dire que ici en bordure, on va être obligé de faire des fortifications quand même. Bon, c'est pas grave, hein. Là, ils nous ont ramené la boue normalement. J'ai compris, il n'y a pas assez de place. Calmez-vous. Ah oui, c'est vrai, il faudrait passer à l'âge. Alors là, il y a du cuivre. Là, il y a du cuivre. Alors attendez. On a du cuivre là. Là, c'est du silex. Ça va, on a du cuivre pile poil à côté. Donc ça, c'est du. Ah, bah, il y en a là, il y en a là. Où c'est? Ah, ils sont en train de l'amener. Ça, c'est du fer. Eh, on est pas mal, hein. Ah, ça, c'est bien, ça. Là, ils sont beaucoup pour l'amener. Et qu'en est-il de l'autre? Ok, bah c'est bon. Donc, ce sont les deux là. Donc, il y en a un qui est pratiquement arrivé à destination. Et le dernier, eh ben, il n'y a plus qu'à l'emmener, tout simplement. Ouais, franchement, là, en 20 minutes de vidéo, ils peuvent l'emmener. Faudrait pas. Ça serait abusé s'ils n'y arrivent pas. Établi d'artisanat. Bon, encore une fois, il nous manque du monde. Il nous manque pas mal de monde. Il nous faut 3 bouts là-dedans. On est à 2. C'est dommage. Une autre petite boue, ça pourrait être cool là, s'il vous plaît. Voilà.
Charge de travail pas trop élevée, ça va, on arrive à se maintenir. Alors par contre, ouais, ce qui pourrait être intéressant également, ce serait de faire des défenses le long des bas. Bah, c'est qui ceux-là? Ah, je me disais bien, ils ressemblent pas du tout au mien. Alors les pillards, eux, sont plus sur une couleur rouge. Les migrants, eux. Oui, marchand, j'arrive. Les migrants, eux, ils sont en... Comment ça s'appelle? Ils sont pas habillés, au fait. Tout simplement. Chèvre, mâle adulte. Alors attendez, on va mettre pause. On va regarder un petit peu les animaux qu'on a là. Oh, je me suis trompé. Autres animaux de compagnie. Chèvre. Alors on a une femelle. Et ça, il nous faudrait des chèvres. Chèvres femelles. Sauf que là, je crois que ce sont des mâles. Ouais, c'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, monsieur. Silex, y a personne qui récupère du silex là? Bah si, il est censé y avoir des gens qui en récupèrent là. C'est con parce que la mine qu'il y avait juste ici, elle était bien. Pierre et pierre. La pierre, on en a. Oh, il y en a pas plus que ça. Hein. On va les extraire, celle-là. Au cas où. Oh la belle bête! On capture. On capture. On capture. On bute. Bon. Quoi qu'elle ait la butée, ça sert à rien. C'est pas très utile. Il nous faut une boue. Bah on l'a pas. Putain, je suis un peu déçu là sur ce coup là. Allez, accélérez les petits loups là. Allez me choper de la bouquetine là. Jeune femelle. Oh, dis-moi que c'est une femelle. Yes, c'est une femelle, c'est une femelle, c'est une femelle. Allez, 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 allez. Yes. Yes! C'est ça qu'on veut. Ça, j'adore. J'ai l'impression que les pillards, ils vont plus attaquer. Ouais, ils vont plus attaquer tant que je vais pas augmenter en air. Oh, j'ai cru qu'on se faisait attaquer. Ça aurait été un karma, mais monumental. Alors, au niveau des points de connaissance, là, on accumule. Hein. Pas assez de place dans les écuries. Mais c'est bon, il y a de la terre, ouais. Allez hop, on est parti les petits loups. Pas assez de bouffe, sérieux. Y a de la paille à gogo là. Ah d'accord, au fait les animaux. Alors quand c'est... On va mettre en priorité élevée. J'ai compris. Genre quand c'est l'hiver, les animaux ils se rentrent. Et ils se démerdent pour manger. Par contre, en hiver, il faut leur donner la nourriture. Ah, c'est super bien fait. Au niveau de la muraille, on commence à être pas mal. Putain. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ramène-toi! Saloperie. Putain, un mouton mort de faim, vous êtes sérieux ou quoi là? Ramener leur don de la bouffe? Ah bah c'est bon. Priorité élevée, hop, impeccable. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah ouais, l'hiver, les moutons, ils vont nous faire chier. Hein. 40 points de connaissance, c'est abusé. Hey, il est où le dernier machin lit là?
Alors, il est plus là, il doit être sur la route là. Ah, il est là. Oh yes. Putain, ils sont 4. Oh putain, c'est. Oh, les salauds! Eh, c'est des. Oh putain, il laisse le vieux tirer le chariot. Mais non. Ils en ont rien à secouer. Mouflon. Vas-y, capture. Si on peut le choper. Ah si, je sais ce que je voulais faire. Production. Alors peut-être pas ça, mais stockage. Un grenier. Oh. Donc là, ça pourrait être que pour les aliments. Alors est-ce qu'on a de la boue? Non, on va pas en avoir. Oh, c'est pas grave, on va. On va surtout stocker du foin ici. Peut-être là, ça me semble correct comme emplacement. Putain, elles vont boire et tout, c'est impeccable. Ah, y a rien à faire. Les individus qui ont pas chaud, ils peuvent aller en prendre des vêtements. Il y en a plein là, des tenues en peau et tout le tralala. Allez aider le vieux là! Putain, il est en train de. Ah voilà, je t'appelle. Là, ils sont 3. Allez, là. Putain. C'est le rush final, les petits loups. Allez-y, je crois en vous là. Aussi, ils peuvent extraire la pierre ici également. Vous pouvez y aller, les petits loups. Allez, 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 on y est presque là. Allez, on n'est pas loin du tout là. Oh, c'est incroyable. Ah ouais, mais le pire, c'est qu'après, il va falloir qu'ils le construisent. Niveau de priorité élevé, bien sûr. Vous êtes sérieux? Bah oui, ils sont fatigués. Eh, par contre, ça va être une dinguerie quand ça va être construit, ça. Quelqu'un qui tire. Eh, promis, après les gars, vous pouvez vous reposer tant que vous voulez. Qu'est-ce qui leur arrive? Efficacité moindre. Bah pourquoi vous êtes triste? Eh, quand il y aura le mégalith, je peux vous dire, vous allez plus être triste du tout. Allez, à 4. Ah oh non, je suis déçu, ils sont 2. Allez, les gars, allez, 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 putain. C'est le rush final là. Attaque de pillard. Oh putain, ils sont où ces bâtards? J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres personnes. Cours, 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 cours. Ils sont en train de boire. Passez with. Là, ils vont longer ici. Hop, voilà, impeccable. Là, on va se mettre en mode géré. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On ferme les portes. En place. Vous allez les fumer, les petits loups là. Ah, c'est. Oh, ils marchaient sur l'eau. Jésus-Christ. Fumez-le!
pas levé. Y a aucun mort. Aucun mort, aucun mort. Incroyable. Putain. Oh la gestion. Mais c'est incroyable. Ah là, ça leur a boosté le moral, les petits loups. Oh, je suis fier de vous. Toi, on te fume. Hop. Ça, c'est cadeau. Allez, hop, merci. Merci, au revoir. Oh, je suis fier d'eux. Le mégalithe qui arrive. Et ça va être parfait. Hein. Oh là là, l'épisode parfait. Ils sont tous en train de courir comme des porcs. Moi, je suis content. Ça leur a remonté le moral aux petits loups. Ouais, je suis grave content. Allez, vas-y, vas-y. On est parti. Allez l'aider, les gars. Allez l'aider. Ouais, deux. Allez, 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 allez. Après, bon, je tiens à préciser que je passerai toujours pas l'air du fer ou tout le tintouin. Tant que... Comment dire ? Tant que les fortifications ne seront pas terminées. Ça c'est clair et net, j'ai pas envie de prendre de risques. Eh, ça commence à être ric-rac hein, au niveau des... Ça commence vraiment à être ric-rac. Couteau à silex. On est d'accord. Hop, c'est parti. Allez-y, les gars. Allez, allez, allez. Oh putain. Oh, lui de beaucoup. Oh, la belle bête. Hop, terminé. Wouh. Mon cochon. Allez, allez, allez. Non, mouton a contracté une maladie. Ça va pas les tuer. Pas tous. Jeune femelle. Lui on le bute. Lui on le bute. Ça, ce sont des moutons. Viens là! Vieille femelle, bon elle nous sert à rien, donc ça va. Mâle adulte. On va les abattre. Tout de suite. Allez les gars. Putain. Vous êtes en train de faire un monument, mais là c'est juste majestueux, mesdames et messieurs. Vous êtes vraiment en train de bouffer mon pote là ? Fume-le ! C'est tout. Ah putain, c'est incroyable. Elle attaque qui ? Vas-y le chien. Non, il est mort. Ah ça c'est de la hyène de compète. Hein. Oula salope. Voilà. Allez, allez, go, 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 go. Il va pas tenter de l'attaquer, lui. Chat. Allez, hop, 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 hop. Terminé. Salope. Pardon. J'étais un peu cru dans ce que j'ai dit, effectivement, je le conçois. Encore ? Fumez-la ! Bien joué ! Donc 4, on est parti. On n'a plus beaucoup de bûches de bois par contre.
commence à être problématique, les petits loups là. Je vais aller me péter du bois. Parce que. Je vais abattre les arbres qui sont ici, même s'ils viennent tout juste de. De sortir de terre. Hop. Jeune arbre, jeune arbre, jeune arbre. Voilà, ça va être bon. Test du jeu 8, ça va être impeccable. Bon, normalement, ça a pas dû infecter d'autres moutons. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh là là, c'est incroyable. 60 de prestige, mesdames et messieurs. C'est juste dingue. Ah là, je peux vous dire. C'est pas un truc de PD, ça. Ah, je suis tellement... Ah, je suis content. Gérer, palier. Mégalomanie, c'est bon. Ok, bon, ça va être pour plus tard. Statistiques, prestige. Putain. Sur 1000. Eh, ça va grimper d'un coup, là. Bam! Ah, oh, je suis tellement content. Alors, attendez. Ça veut dire que là-dedans... Limite d'animaux. Ah, mais je peux pas dire... Ah, je veux que des chèvres ou que des moutons ou quoi que ce soit. Pas très grave. Oh là là, je suis content. Oh putain. Toi je te chope. M'en fous, je sais pas ce que vous êtes, mais je vous chope. Mon balai steak. C'est parti. Allez, 500 bûches. Eh, je vais arriver à je sais pas combien de connaissances. Je peux vous dire que quand on va passer à la prochaine ère, là, ça va pas rigoler. Hein. On va tout fumer d'un coup. Ils vont rien comprendre, les habitants. Ils vont dire... Ouais. Ils vont passer de la roue à la F1. Limite d'animaux, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je m'en fous de ça. Domestication. Yes. Oh là 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 là. On va pratiquement atteindre tous les paliers, c'est incroyable. Ah, je suis content. 2200 santé, bon, c'est pas prêt d'être pété. Ah ouais, ça donne du lait et tout en plus. Oh, putain, c'est génial. Oh, je suis tellement content. On va tout péter par ici. Je vais faire ça. De ne pas gâcher la vue. Voilà. Ah putain, elle va pisser. Ah non, c'est bon. Impeccable. Ah, je suis content que ça se passe comme ça. Là, on a fait beaucoup de choses. On a fait vraiment beaucoup de choses. Franchement, il n'y a plus qu'à finir la forteresse, là. Et on est bien. Ah ouais, on est grave bien après. Je vais leur demander de péter un petit peu de partout, là. Je pense qu'on va... Bah ouais, on va mettre fin à l'épisode. Hein. Là, on arrive à 30 minutes de vidéo. Ah mais oh putain, je suis content. Troisième épisode pour faire forteresse, les animaux, et puis aussi surtout ce cercle mégalithique. Et là, on a enfin tout ça. Ah, c'est génial. Il y a juste la forteresse à terminer là. Du moins, je parle du plus gros. Après, je placerai peut-être quelques petites plateformes par-ci par-là pour. Permettre aux villageois de se défendre directement en hauteur, éviter de faire en sorte que les pillards attaquent.
Enfin, je veux dire attaque sans qu'on puisse rien faire. Mais oh là là, je suis content. Oh, qu'est-ce que je suis refait? Alors on est à 5 en bout. Oh. On va peut-être construire des huttes. Hein. Ouais. Ça va partir sur ça. Bon, eh bien. Écoutez, mesdames et messieurs. Je suis content. Je vais faire que de leur dire, mais je suis content. Content que ça se passe comme ça. Au moins, c'est une très bonne chose de faite dans Star. Écoutez, moi, je vous remercie infiniment pour votre visionnage. Donc, je le répète, il y aura un petit peu plus de vidéos suite aux événements actuels. Mais voilà, juste petite annonce, hein, je le refais. Écoutez. Merci à vous hein, pour votre visionnage. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur bah, je ne sais quoi. Je pense que je vais choisir un petit peu sur ce que je veux jouer. Mais voilà, ça ne saurait tarder. Vous aurez des vidéos vraiment fréquemment comparées à d'habitude. Et bref, donc merci à vous. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.